Concernant cette décennie, on ne peut pas faire des sciences sociales sans s'arrêter sur ce qui s'est passé en 2011, fin 2010, tout au long de l'année 2011 et même les années suivantes. C'est quand même des faits assez lourds par leur sens, d'abord par leur consistance, par leur poids, par l'impact que ces faits ont exercé, et puis le sens qu'elles ont revêtu pour les acteurs de la région, les acteurs qui sont au centre des événements, et les observateurs également. Donc ça, c'est une première raison de se centrer sur le sujet. Une seconde, c'est que dans le feu de l'action, les gens ont tendance à amplifier ou à sous-évaluer ce qui s'est passé. Avec une certaine distance, nous nous sommes proposés de jeter un regard, disons, plus équilibré, plus raisonné, sur ramener les événements à leur juste proportion. Et je pense que c'est possible lorsque une période comme 6, 7 ans, parce que notre sujet portait sur 7 ans après, 7 ans après, comment relire ces événements objectivement, en introduisant aussi les éléments qui étaient ceux du contexte de l'époque. On ne s'est pas tellement, attaché à uniformiser les approches. Nous avons laissé la liberté aux auteurs. Moi, je pars du principe qu'il faut multiplier les angles d'approche, l'approche elle-même, multiplier les approches. Et à partir de plusieurs angles, à partir de plusieurs approches, de plusieurs, disons, écoles conceptuelles, théoriques, essayer de dégager l'essentiel. Oui, un éclectisme, d'accord, mais à dessein. C'est une philosophie de la quête de vérité d'un phénomène. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses, il y en a plusieurs. Et par la suite, des chercheurs pourront venir et essayer de s'en inspirer pour extraire des lectures, des représentations, j'espère plus proches de la réalité, encore plus proches de la réalité que ce que nous avons fait. Ben, il y a eu d'abord le phénomène contestation-protestation lui-même. Tiens, c'est la première fois que ça se passe avec une telle ampleur. On n'a pas vu ça auparavant. On avait, bien sûr, on avait des processus de protestation, mais plus limités, plus concentrés, larvés, fragmentés, discontinus. Vous pouvez avoir des protestations dans une ville et à côté le calme absolu. C'était la première fois qu'on avait des articulations nationales, des mouvements de protestation au même moment, avec pratiquement les mêmes mots d'ordre, les mêmes. Que s'est-il donc passé? Ça, c'est deuxième élément. Lorsqu'il y a protestation et contestation de l'ordre établi, il y a toujours, de manière explicite ou implicite, proposition de changement. Quel changement pensaient les peuples de la région, les sociétés de la région, à quel changement, et les élites aussi, à quel changement pensaient-ils lorsqu'ils se sont mis à déconstruire les systèmes en place?
Que signifie pour eux changement? Ça a été du plus radical au plus réformiste, voire même dans certaines situations, la tentative de conserver ce qui existait, de sauver ce qui était en place, le statu quo. Ça, c'est un deuxième. On a vu aussi se développer un mouvement constitutionnel dans chaque pays. C'est pas uniforme, c'est très divers. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte, il y a eu ces réponses, disons, ces réponses institutionnelles, politiques, constitutionnelles, réglementaires, juridiques. On ne va pas en faire ici l'inventaire. Il y a eu des élections, deuxième grande catégorie de réponses, des élections. Bizarrement, ces élections ont dégagé des majorités islamistes, des forces politiques à référent religieux. Et donc, ça a dévoilé la nature de nos sociétés, la nature profonde de nos sociétés et le plafond des changements plausibles. Le mieux auquel on pouvait parvenir, c'était une photographie des tréfonds de la société marocaine. Dans l'immédiat, on a vu tel gouvernement augmenter les fonctionnaires, renforcer les prestations sociales, etc., pour parer au plus vite. Je ne parlerai pas des réponses sécuritaires de diverses natures. Les unes ont réussi, les autres n'ont pas réussi. Au contraire, certaines approches sécuritaires ont exacerbé le mouvement de protestation. Donc on a eu plusieurs réponses et plusieurs suites, plusieurs effets, aussi bien sur le plan politique qu'institutionnel, que économique, que social, que culturel. Moi, j'ai du mal à prononcer dans ce contexte le mot révolution. J'utiliserai par prudence méthodologique changement, volonté de changement, désir, espérance de changement peut-être. Mais révolution, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de grosse rupture. Même dans les modèles que l'on dit les plus avancés, par exemple, quand on parle du modèle tunisien, il est clair qu'il y a une restitution de l'ancien régime. En partie, qu'une des forces de stabilité de la Tunisie actuelle, c'est bien les anciens, peut-être en désaccord avec d'autres courants de la période Ben Ali, mais c'est les anciens du bourguibisme, c'est aussi, et du bourguibisme très articulé sur ce que représentait Ben Ali. Ont-ils réussi? Qui a réussi? Qui a échoué? D'abord, il faut qu'on soit sûr que ça s'est terminé. Ce qui n'est pas certain. Il y a ce qu'on appelle dans les phénomènes sociaux des phénomènes dormants. Comme dans les cellules dormantes, il y a des phénomènes dormants qui ne paraissent pas aboutir, qui ne paraissent pas non plus s'être arrêtés, dont on ne voit pas la continuation, qui prennent d'autres formes peut-être, mais il est difficile de trancher. Si succès ou échec,
7 ans après, difficile d'en parler.